les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo de folie, tout simplement, car on va jouer, vous ne rêvez pas, à des chapitres 3 de Poppy Playtime, tout simplement, parce que je suis retourné un petit peu voir sur le jeu Dream qui est sur PlayStation. Vous savez, c'est une sorte de jeu bac à sable où les gens peuvent créer plein de choses. Et ben, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait des sortes de pseudo chapitre 3 Poppy Playtime. Il y a même carrément, je pense, la Playcare et tout. Donc je me suis dit, ça peut faire une trop bonne vidéo. Comme le chapitre 3, on doit attendre très longtemps avant de l'avoir. Et ben nous, on va essayer d'y jouer un petit peu, entre guillemets, bien évidemment, un peu en avance, grâce justement à Dreams. Donc on va les tester ça, les amis. Plein de chapitre 3 à découvrir ensemble aujourd'hui. On est parti, on se met en mode ambiance chapitre 3 aujourd'hui. Allez, on commence par ça, les BG, Poppy Playtime, Playcare, et nous voici du coup, en effet, dans une pseudo Playcare avec une Daisy dorée qui doit valoir une fortune. Hein. Clairement, je pense que si on la pique, on sera millionnaire, les amis. On sera clairement millionnaire, c'est sûr. On a le Grappack aussi, hein, qui apparemment est fonctionnel. On a des petites portes et tout. Donc, c'est plutôt stylé. On voit déjà se retrouver devant la Playcare. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Si je fais ça, ça ne fait rien. Ok, donc c'est vraiment peut-être juste ça. C'est peut-être juste la Playcare, histoire qu'on puisse vraiment se dire, on est devant la Playcare. Donc voilà, on est devant la Playcare, les amis. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire sur ce chapitre 3. De toute façon, on va en tester plusieurs et on verra bien celui qu'on préfère. Et pas, je peux pas rentrer, on est bien d'accord. Je peux pas rentrer dedans. Ok, bah écoutez, bien sympa. En tout cas, peut-être que dans les autres, il n'y a pas la Playcare. Au moment ici, on l'aura eu. Là, on teste un autre, les amis. Regardez. Oh là là, c'est bien. On a déjà une Kissim ici et tout qui se ramène. Trop stylé. En plus, elle est mignonne en vrai. Ok, donc là on est vraiment à la fin de l'accident, les amis. What the fuck, par contre il y a ses yeux qui sont partis complètement aux couilles. Du coup là en gros c'est une cinématique, je pense. Ok, et là c'est terminé, on est dans le train. C'est bon, en vrai c'est incroyable, regardez j'ai même truc de con. Mais mec c'est incroyable, j'ai déjà testé des chapitres 1 et 2 Poppy Playtime sur ce jeu. Et c'était pas aussi bien que ça, regardez on a le train et tout. Ouais franchement c'est incroyable. Pour le coup là honnêtement, celui-là je pense qu'on peut s'attendre à un truc vraiment stylé. Ok, on a un Oogie Woogie, là on est vraiment en mode retour au chapitre 1, retour dans le passé. On a ici, qu'est-ce que c'est que ça? What? C'est quoi cet endroit? Écoute, on va éviter de sortir. Est-ce qu'il y a un moyen d'accéder à un chapitre 3? Déjà ici, on a des mains de Grappack, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On va peut-être essayer ici. Ça ne fonctionne pas également. Eh bien écoutez, je pense qu'à mon avis, on a eu accès à la fin du chapitre 2 avec une petite cinématique. Mais je pense pas qu'on ait autre chose à faire. D'ailleurs, je vais regarder ici. Non, on n'a pas d'autre truc à faire. Ok. Quoique, peut-être ça. Peut-être ça ici, les amis. On a accès à cet endroit-là, cet endroit étrange avec juste des étagères. Mais c'est tout quoi. C'est tout ce qu'il y a. Donc pour le premier, on a eu Playcare. Ici, on a eu une cinématique juste après l'accident de la fin du chapitre 2. C'est déjà pas mal. On va pas se plaindre. De toute façon, les gens, ils font avec les éléments qu'ils ont. Encore le chapitre 3. Donc ils font ce qu'ils peuvent. Attendez, mais c'est la même personne ou bien c'est comment? J'ai l'impression que c'est la même personne que tout à l'heure. On va faire new game, on a le masque à gaz. Mec, c'est incroyable. Attends, comment ça se passe du coup? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Mais on a les jouets, genre on a minimum long legs, on a le masque, on a le Oogie Woogie. On est où là? What? On est dans le train, je crois. On est dans le train, sauf que là c'est, on voit absolument rien. Là c'est un peu compliqué ce qui est en train de se passer. Je vais essayer de sortir du train ici, mais what? On est dans des égouts. Et là, c'est bon, j'ai réussi à sortir, les amis. Où est-ce que je vais pouvoir aller, du coup, maintenant? Ça a l'air sympa, ça. On a Kissimissi de nouveau, mais avec, du coup, la main 1006. Ok, donc on est dans le train. Ok, on a Kissimissi ici qui nous fait un petit coucou. Oh, oh, sauf que là, Kissi, tu vas être dans la merde. Il y a clairement le prototype 1006 qui est venu récupérer Kissimissi. Est-ce que je peux aller la voir ou pas? Non, putain, je pense que... What? C'est quoi ça? Ah putain, c'est le train, il est toujours en mouvement en fait. Ok, mais c'est vraiment des petits bouts, on a vraiment droit à juste des petits bouts de chapitre 3. Parce que regardez, si là je vais voir dans la map, normalement... Oh, mais si, il y a quand même d'autres trucs en vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? On a là par exemple, regardez, si on va là-bas, on aura accès à plein de personnages. Regardez ici, on a la chenille Daddy Longlegs, Daisy, Baby Longlegs, Oogie Boogie, Mommy Longlegs, Kissimissi. Qui sont en train de tournoyer. What the fuck, je comprends pas ce qui se passe. Laissez danser, hein. Je vais aller voir juste là. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Qu'est-ce que ça peut être? Ça a l'air un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, on a une Daisy juste là. Ça va, Daisy? Ok. Je l'entends quasi pas. Genre c'est marrant parce qu'on dirait qu'ils ont repris des idées de concept. Et du coup, ils en ont fait des niveaux. Donc là, on a eu un petit niveau un petit peu inédit avec Daisy. Ok, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose à voir par ici? Non, je pense pas. Donc c'était juste vraiment pour voir Daisy. Et sur cette map-là, on a eu droit à plusieurs petites choses plutôt sympathiques. Mais on n'a pas encore trouvé vraiment The Chapitre 3 ultime qui est incroyable. Ok, on va tester celui-là. Donc là, mais c'est la même chose. On aurait peut-être une suite en vrai? Parce que là, en fait, c'est la même cinématique. On voit Kissimissi et ensuite, elle se barre. Mais peut-être que du coup, ce serait la suite alors de ce niveau-là.
et qu'on va pouvoir éventuellement, ouais, aller par là pour aller dans la Playcare. Ça, c'est stylé, ça. Ça, ça a l'air stylé. Si on peut vraiment y aller, franchement, ce serait top. Ah, ben, on y est, là, les amis. Là, on y est. Ah, oh, avec l'armée de Daisy, ça, c'est comme dans une vidéo concept. Incroyable. Aussi, donc là, on est vraiment dans Whoops Daisy. C'était ça, le nom. Là, on est là face à plein de Daisy. C'est n'importe quoi. Par contre, ce que je kiffe, c'est vraiment le courant sur la main. Et on a une main jaune, hein, d'ailleurs. C'est vrai que c'est la couleur qui revient très souvent dans les vidéos chapitre 3. Et on a également une main violette, du coup. Et je pense pas qu'ici, on a d'autres choses à voir. En tout cas, c'était un peu très intéressant. On a encore des trucs, en fait. C'est trop bizarre, parce que je sais pas comment y accéder. Mais grâce, du coup, aux téléportations, on peut y accéder directement. Là, en gros, parce qu'on a une Daisy qui nous attaque. En fait, on se prend un screamer de Daisy. What? Non, c'est bon, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Putain, mais une Daisy, en fait. Il y a clairement une Daisy qui est en train de m'attaquer, mais qui est en train aussi également de traverser le sol. Regardez, je crois que c'est Daisy ici. Mais what? Attends. On va essayer d'aller là. Daisy, c'est toi? Ah, bah, Daisy a disparu. Écoutez, Daisy n'est plus là. Daisy nous a laissé tranquille. Ah, si, elle est là. Regardez, si je la touche, elle me bute, en fait. Ok, je vois. Là, pareil, on a une sorte de Oogie Woogie. En fait, je crois que c'est des tests. Je pense que ça, à mon avis, c'est des endroits où on peut pas encore y accéder de manière normale. Mais à mon avis, le mec fait des tests pour essayer après de nous faire un putain de niveau. Parce que regardez, là, on a Mommy Longlegs avec du coup l'expérience 1006. Et je pense que Mommy Longlegs va se faire kidnapper, non? C'est trop bizarre. Il se passe tellement de choses et peu de choses à la fois. C'est assez... Allez, elle est partie! Elle s'est fait embarquer par l'expérience 1006. Bah écoute, au revoir, hein, Mommy Longlegs. Et je pense que c'est ça, en fait. Fallait que je rentre dans les portails. C'est comme ça, à mon avis, qu'on peut... Bah, pas du tout. Très bien. Ok. On va essayer de trouver un autre chapitre 3. Pour l'instant, c'est dommage. Il n'y a pas vraiment le chapitre 3. Super abouti et tout. C'est dommage. Oh, ça, ça a l'air sympa, ça. Poppy Playtime. Ok. Chapitre 3. Trouve la ventilation. Oh, mais c'est stylé, ça. Ça, ça a l'air stylé de ouf. Donc, je dois trouver la ventilation. On a déjà une petite Kissimmee ici. Ça fait plaisir. Et là, du coup, attends. Trouver la vente. Ah, elle est là. Ok, parfait. Donc là, je peux rentrer. Hop, on va s'accroupir par contre. Alors, je suis désolé hein, si la vue est un petit peu spéciale. C'est vrai que là, l'ambiance est particulière, en vrai de vrai. Mais du coup, ok, ça nous a permis d'accéder à un autre endroit. Alors là, on est où, du coup? Je dois continuer à traverser les ventilations. Ok, j'arrive du coup ici, les amis. Et ça fait penser étrangement un petit peu à la fin du chapitre 1, ça, bizarrement. Et il y a une porte. Ok, il y a une porte là-bas. On va voir où est-ce que ça va nous emmener. Mais là, c'est assez particulier hein, comme map. Donc là, ça va nous téléporter normalement. Nothing, just do, just to go. What? Je me retrouve dehors. Attends, donc ce serait donc ça, le chapitre 3 de Poppy Playtime? Bah, je ne m'attendais pas à ça. J'avoue que je suis assez surpris en fait de l'environnement. Crypt Evening, ok. Make a friend. Là, on retrouve Kissimissi avec des petites peintures de Kissimissi assez étranges sur les murs. On va continuer d'avancer. Et elle a disparu d'ailleurs, Kissimissi. Où es-tu passé? Et là, c'est quoi? 005. Attends, il y a une porte là, mais à mon avis, je pense que je dois aller là, moi. Ouais, voilà, c'est ça. Souhaitez-vous le féliciter. C'est vraiment assez court, en vrai de vrai. Hop. Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai tout vu? Ouais, j'ai tout vu en vrai, hein. J'ai tout vu, les BG. Ok, bah c'était sympa, écoutez, c'était sympa. Il y a du potentiel, je pense. Bah écoutez, les amis, on va en rester là pour aujourd'hui. Bon, comme vous avez pu le constater, il y a quelques petits trucs sympas, mais on est encore loin d'avoir vraiment un vrai chapitre 3. En même temps, il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir faire un niveau. C'est comme sur Roblox, par exemple, il n'y a pas vraiment de chapitre 3 qui sont actuellement disponibles. Mais voilà, le meilleur moyen de découvrir un putain de chapitre 3, ce sera d'avoir le vrai chapitre 3 entre les mains, bien évidemment. Mais en tout cas, c'était cool. Au moins, ça nous a permis de plonger un petit peu dans l'ambiance chapitre 3, notamment avec la Playcare, Daisy, tout ça, Daddy Longlegs peut-être qui sera là aussi dans le chapitre 3. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en dégainant votre meilleur like, en commentant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notif. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures, Poppy et autres. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.